j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle semaine. Stécie, on sait. En fait, on allait partir pour la conduire en cours. Elle commence à 8 h aujourd'hui. Et je viens de recevoir un message du proviseur adjoint en disant que son prof de sport n'est pas là. Donc du coup, elle commence à 10 h. Alors, elle aurait pu dormir 2 h de plus. Elle est dégoûtée. Mais comme je lui dis encore, toi, t'as de la chance, on allait seulement partir. T'imagines tes camarades qui sont dans leur bus et tout. Ok, il faut faire demi-tour. Ouais, il va falloir faire demi-tour, c'est sûr. Mais bon, s'ils ont reçu le message. Là, même des fois, les surveillants, ils sont gentils, ils disent avant, quand, surtout si c'est 2 h. Ah ouais, parce que là, 2 h de perdre. Bon, bah du coup, petit café. Hein, je me suis dépêchée aussi pour rien. Greg commençait à 7 h ce matin, il finit à 15 h. Aujourd'hui, alors, je vais faire mon blessing, toutes les routines sont finies, j'ai plus que mon lit et le linge à ranger, je vais aller le faire tout de suite. Et puis ensuite, je vais... Alors, j'aimerais bien faire mon frigo. Parce que après avoir reçu là ce week-end, j'ai tout entassé à l'intérieur. C'est le bordel. Donc, faut que je le range parce que je ne trouve plus rien, ça m'énerve. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais faire mon blessing et je vais faire mon frigo. Et tout à l'heure, en allant conduire Stécie, du coup, bah, à 10 h. Parce que logiquement, j'allais y aller à 13 h 30. Parce que Leclerc, en fait, Stécie m'a pas dit qu'il y avait plus de pâté pour Luna. Donc, du coup, ce week-end, on a dû... je jonglais avec 2-3 petits trucs pour lui donner. Elle prend qu'un sac de... C'est même pas de la pâtée, c'est de la soupe là le soir. Mais elle le réclame, elle le sait quoi en fait. Donc on a donné un petit peu de thon. Heureusement j'avais acheté des petites boîtes au thon. Je sais, c'est pas très bon, mais c'est exceptionnel. Et puis elle adore ça, mais voilà, c'est exceptionnel. Je sais à cause du sel quoi en fait. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis c'est exceptionnel. Donc du coup c'est du thon naturel, mais je sais qu'il y a du sel dans la conserve et qui est pas très bon pour eux. Donc elle a eu ça, bon elle était contente hein. Mais là je voudrais aller lui chercher sa pâtée pour en avoir pour ce soir. Mais je voulais y aller à 13 h 30 parce que je me suis dit attendre une demi-heure devant Leclerc juste pour acheter une petite boîte de pâté, ça m'énervait. Donc du coup là je vais pouvoir y aller à 10 h parce qu'il ouvre pas avant 8 h 30. Je trouve ça mal fait, enfin il ouvre pas avant 9 h, mais je trouve ça mal fait. Donc en fait là c'est même pas une demi-heure que j'aurais dû attendre, c'est 1 h. Mais je trouve ça, oui, comme je vous dis, je trouve ça mal fait. Comme Lidl il ouvre à 8 h 30, je trouve ça mieux en fait. Bon après je comprends hein, pour les gens qui travaillent dedans, on commence à 9 h, c'est toujours plus agréable que de commencer à 8 h 30. Mais oui, une demi-heure c'est voilà, c'est énorme hein, quand on commence. Bref. Petit café, j'ai dormi trop lourd cette nuit, j'ai mal à la tête. J'ai pas mal à la tête, j'ai vous voyez le... quand on dort trop lourd. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On y va. Est-ce que vous la voyez ma motivation là? Petit point météo du jour, comme hier. Pas très beau. Voilà, on a eu 2 jours de beau temps, on est en train de le payer. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui sont en train parce que en ce moment, enfin... En commentaire, je vois que c'est beaucoup de nouvelles qui sont en train de venir s'abonner sur la chaîne. Je suis super contente de vous accueillir dans notre petit chez nous et avec nous. En plus, je suis encore plus contente parce que vous avez l'air d'être... voilà, de vouloir communiquer, parler, d'envoyer des commentaires et tout. Et moi, c'est ce qui me plaît, quoi, en fait, cet échange avec vous. Donc, je suis contente de vous accueillir parmi nous. Venez. Voilà, allez, j'ai mon linge. Du coup, Stécie prend le temps de déjeuner, alors que c'est une chose qu'elle fait jamais le matin, parce que c'est tellement la course qu'elle mange pas. Hop. Et puis, elle a pas faim dès le réveil, souvent, et il faut attendre un tout petit peu avant qu'elle mange. Avant d'attaquer mon blessing, je vais faire un réolé. Ça faisait un moment que je voulais en faire un, mais comme il faisait chaud et puis que... Enfin, j'aurais pu le faire maison, hein, vous allez me dire. Mais Greg aime bien le caramel, rajouter une dose de caramel. Beurre salé au-dessus, et j'avais plus le coulis caramel beurre salé. Donc du coup, il va falloir que je rachète du riz rond, moi. Oui, donc du coup là, comme on en a racheté, j'espère que j'en ai assez. Par contre, j'ai commencé à peser mon lait. Je vais peut-être le peser à part pour être sûre. Je vais essayer de faire la recette dans le mambo. Et je fais la recette du site quoi en fait, qui est écrit dessus. Enfin je vais faire exactement la même chose. Le seul truc c'est que on voit que c'est des recettes espagnoles. Ils aiment bien la cannelle en Espagne, et ils mettent un zeste de citron et un bâton de cannelle dedans. Moi je vais pas en mettre parce que Greg et Stécie, c'est eux qui adorent le riz au lait, ils aiment pas trop la cannelle. J'aurais pu mettre un zeste de citron mais je vais le remplacer par de la vanille. Par contre je vais le noter pour en racheter. C'est le genre de truc que j'aime bien avoir d'avance. Oui, en fait, avec le mambo, je vais le faire du coup avec la cuillère qui mélange, vous voyez, celle que j'avais utilisée pour faire mon riz la dernière fois. On va voir la texture si ça change. Avec le MCC, comme je vous avais dit en fait, hein, et tout ce qui était à base de riz et tout, j'avais du mal parce que j'avais l'impression que ça cassait le riz. Bon, dans le riz au lait, ça me dérangeait moins parce que on cherche justement ce côté un peu onctueux quoi en fait. Mais voilà, du coup je voulais voir la texture que ça a. Et puis du coup on utilise le bol qui est en céramique. Vous voyez, hop. Ce qui va être pratique, c'est qu'il va cuire le temps que je fasse mon blessing. Donc ils me disent de rajouter, je vais vous dire la recette au cas où, je dois mettre 250 g de lait, 175 g de riz, un zeste de citron, un bâton de cannelle dans le bol, mettre le couvercle, fermer le gobelet doseur et on doit faire cuire... Alors je vois pas très bien là, vitesse... Je pense que... c'est 170, contrôle de la température 2, 40 minutes, mais je vois pas la vitesse. Alors je vais voir si avec le dessus on voit. Alors ça c'est fait. Donc je continue. 1. Ah oui c'est ça. Donc c'est pas 190, c'est parce que c'est collé sur le truc. Donc c'est vitesse 1, 90 degrés, contrôle de température 2. Voilà, c'est pas 190 degrés, il va pas jusqu'à 190 degrés. T'es mal réveillée Sandra. Voilà, il est parti. Juste à mettre les ingrédients, à fermer le couvercle et après c'est lui qui gère. C'est cool. Hop. Et en fait j'ai le décompte ici. Ouais, là je vais aller faire mon blessing. Du coup, ça sera le dessert de ce soir, le riz au lait. Ce soir je fais des brochettes, je fais du barbecue, je fais brochettes. En fait la dernière fois quand j'ai acheté les chorizo à cuire, il y en avait un acheté, l'autre moins cher en fait. Donc j'en avais acheté deux, je les avais mis au congélateur et j'ai des hauts de cuisse aussi. Donc je vais faire des brochettes chorizo hauts de cuisse un peu avec des épices espagnoles, des épices à paella en fait, avec du riz et je vais faire des légumes grillés et ce midi ben, comme d'habitude. En plus il reste de la viande aussi d'hier donc on pourra manger aussi restant de viande ce midi aussi, se faire des sandwichs avec et les restants de viande de barbecue qu'on a fait hier. Allez, blessing, escalier, les plantes, coin des animaux. Alors j'ai dû rajouter le sucre en fait dans le riz au lait, donc au bout des 40 minutes il faut rajouter 100 g de sucre et terminer la cuisson. Donc vitesse 1,90 degrés, contrôle de température 2, mais bon ça il n'a pas sur tous les robots, c'est celui-là qui est, enfin c'est spécifique à celui-ci. Je vais déjeuner et puis je vais continuer mon frigo. J'ai commencé un tout petit peu. Il avait besoin d'un bon nettoyage. Enfin, pas un nettoyage parce que je l'ai fait la semaine dernière. C'était la zone en fait, la cuisine. Mais c'est un bon rangement. Ce qui est, c'est qu'on a mis des choses là pour pouvoir prendre la place dans l'autre frigo, pour pouvoir mettre d'autres trucs dedans. Et du coup, il faut que je refasse le switch entre les deux frigos. En fait, j'ai un deuxième frigo dans mon cellier. Où je mets, vous voyez, quand déjà beaucoup les boissons et aussi quand j'achète mettons deux gros pots de yaourt, il y en a un que je mets là et l'autre je le mets là. Vous voyez mon backup un petit peu la crème, quand j'achète mettons deux pots de crème, bah, il y en a un que je laisse là. Le beurre c'est la même chose, il y en a un que je mets là et le reste je le mets là. Enfin voilà, ou les choses que j'utilise aussi très rarement, qui n'ont pas besoin d'être dans le frigo. Enfin vous voyez que je n'utilise pas tous les jours les sauces un petit peu spéciales, tahini, enfin voilà, des trucs comme ça. Bon, je vais déjeuner, après je pense que je vais me faire un café glacé et vous étiez beaucoup à me demander comment je faisais, donc je vais vous montrer, vous allez voir c'est très simple. Et puis après moi je finis mon frigo. Et si du coup je vais aller conduire Stécie, je vais aller à Leclerc, et si j'ai un petit peu de temps je pense que j'irai faire peut-être un petit peu les magasins jusque 10h, puisque j'aurais fait ce que je voulais faire ce matin, donc enfin jusque midi pour aller la récupérer après, pour m'éviter aussi de faire l'aller-retour jusqu'à la maison pour pas beaucoup de temps quoi en fait. Allez, surtout qu'il me faut pas de frais en plus à Leclerc. C'est vraiment que les trucs pour les animaux, et je vais peut-être en même temps, comme j'avais fait ma liste de courses, prendre tout ce que j'achète là, mais en fait quand j'ai regardé il me faut pratiquement rien, enfin c'est beaucoup de conserves en fait, de produits secs comme du riz, enfin voilà des choses comme ça. Il me faut pas forcément de crème ou de, enfin, de laitage ou de congelé. Frigo fait, il est rangé, il est tout propre, hop. Le riz au lait y est fait aussi. Alors moi ce que j'aime bien c'est rajouter 2 jaunes d'œufs à la fin et de remettre un petit peu en cuisson pour avoir ce côté un peu plus crémeux. Franchement la cuve c'est top, regardez, tout est glissé tout seul, ça n'a pas attaché rien du tout, elle est vraiment bien cette cuve. Et là le grain de riz est bien resté entier. Je me dépêche, je vais faire pipi et puis je vais conduire ma miss, le soleil a l'air de vouloir revenir, cool. Et puis ben je vais faire les courses aussi. Marlée est en train de boire. Je suis revenue des courses. Alors j'étais à Leclerc et puis après j'étais faire un petit tour à Action. Alors je me suis dit bon t'as rien besoin, mais j'ai réussi quand même à ressortir avec plein de trucs, dont mes assiettes que j'ai trouvées, qu'ils avaient remises. J'ai pris du coup les 7 dernières je verrai peut-être entre deux pour y retourner. Si je peux en avoir 10, ça serait cool. Je vous les montrerai après. Alors, je fais Leclerc. J'ai pris des pâtes cette fois-ci plutôt que du riz pour Marlée. En fait, ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on le mélange avec de la pâtée et de l'eau et ça se réhydrate. J'ai pas besoin de faire chauffer des pâtes, les cuire et après, il faut les stocker au frigo. En fait, là, c'est pas le cas. J'ai repris du pâté. Alors j'ai pris pâté poivron et j'ai pris une grosse tranche de pâté du confit du Limousin. Ils avaient bien aimé tous, il me reste pratiquement rien de la tranche, donc je vais la mettre, je vais la couper et la mettre sous vide. En fait elle était à 6,90€ le kilo, donc ça valait le coup. J'ai pris, c'est tout ce que j'ai pris en frais, du riz complet, de la polenta, parce que tout à l'heure en prenant mon riz j'ai vu que mon pot était vide et que j'aime bien en avoir, comme ça ça me fait une préparation qui va vite quoi en fait. J'ai repris du riz au lait du coup, enfin du riz à dessert, une boîte de maïs, une boîte d'haricots rouges, une boîte de pois chiches, du lait de coco, des cacahuètes. J'ai pris un paquet de pépitos, c'est pour Stécie. Elle a un goûter, enfin un déjeuner. Il fallait qu'elle ramène quelque chose, mais comme elle a dit, c'est pas officiel, donc il fallait que ça, c'est officieux. Donc il fallait qu'elle puisse ramener quelque chose sans que tout le monde le voit, quoi en fait. Donc il fallait que ça soit dans son sac. Alors du coup, je lui ai dit, bah écoute, à part un paquet de gâteaux, je vois pas trop ce que tu peux prendre, quoi en fait. En plus, c'est au petit déjeuner. Alors au début, elle me dit, bah des bonbons. J'ai mis au petit déjeuner. Bonbon. Donc voilà, en fait sa maîtresse ramène, logiquement ils devaient rien ramener, c'est leur maîtresse qui ramenait des pancakes, c'est ça, mais je lui ai dit ça fait bizarre si tu ramènes rien, autant que vous ramenez tous un petit truc et voilà. C'est plus une maîtresse, professeur. En ce moment j'ai envie de Ricoré, donc je me suis pris une toute petite boîte de Ricoré. Je vous ai repris du thé, mais je sais pas si celui-là vous aimez bien. Saveur myrtille. Et celui-là, c'est saveur passion. J'aime écouter un peu. Tiens. Hop, j'ai pris du coup les pâtés pour Luna. Tiens, tes gâteaux. En fait, c'était des granolas qu'elle m'avait demandé, mais les rayons étaient vides. Donc, du coup, je t'ai pris des pépitos, ça va? Ouais. J'ai pris du. Alors, c'est de la pulpe de tomate et du concassé de tomates. Hop. Il y avait le Lénor qui était en promotion, ça valait le coup, ça revenait à 6€ les deux bouteilles. Et alors ensuite j'ai pris aussi de la pâtée pour Marlée, et il y avait aussi les petites billes comme ça qui étaient aussi en promotion. C'était à 8€ et des brouettes et ça me revenait à 5€ et des brouettes. Et j'ai pris une recharge pour ma lampe berger, jasmin d'Égypte. Donc voilà, ça c'est pour Leclerc. Je vous montrerai tout à l'heure Action, parce que faut qu'on mange et tout, et après faut que je reconduise ma petite, la petite grande qui est pratiquement aussi grande que sa mère. Mais oui, faut que je la reconduise, donc ça risque d'être la course. Je vais ranger ça, manger, je reconduis la miss et je vous montre. Grosse salade avec de la tomate, de la vinaigrette et les petits croutons là que j'achète à Action. J'en ai justement racheté. Ça fait un mélange là, ils sont bons ceux-là. J'ai pris les deux couleurs et puis de la viande, viande du barbecue d'hier. Ah, j'étais raccompagnée Stécie. Le soleil est de sortie, ça y est. Je vous montre du coup mes petits achats d'Action. Alors je vais commencer par les assiettes. Donc j'ai acheté des assiettes, c'est les assiettes à pâte en fait. Hop. Des beiges. Alors c'est pas les assiettes à risotto parce que les assiettes à risotto le creux il est plus petit, vous voyez ça fait un petit creux comme ça, là c'est vraiment les assiettes à pâte, mais je me suis dit elles sont pas mal, elles étaient à 2,50€, j'en ai pris 7, c'était les dernières qu'ils étaient en magasin, si j'arrive à en retrouver 3 ça serait cool, comme ça j'en ai 10, comme ça même quand les enfants viennent manger ou quoi, voilà, j'ai de... Quand je parle des enfants, je parle de Kim, Quentin, les deux petits loulous, la chérie d'Angel et tout. On est une dizaine quoi en fait. Donc on est pour l'instant, si on compte pas Léo, on est 7 adultes. Voilà. Et bon je me dis après par la suite, Léo il va manger dans une assiette comme ça. Et puis Puis après les enfants, la famille va s'agrandir, va que s'agrandir, hein. Alors ensuite j'ai acheté, alors Stécie elle aime bien ce masque là, elle le met pour ses points noirs et tout, ça sent, voilà, ça il fonctionne bien. Donc je lui en ai repris un et il y avait celui-là à côté, masque à l'argile anti-imperfection, purifie, matifie et affine les pores. C'est la marque Bifase, je connais un petit peu cette marque, j'aime assez, donc hop. Je me suis repris donc comme je vous ai dit des croutons, en fait c'est un mélange de croutons de graines, alors là c'est croutons graines de tournesol, c'est des croutons au paprika et ceux-là il y a les tomates séchées en plus, ils sont, et franchement ils sont bons. J'ai racheté 3 petits trucs comme ça. Alors je les achète pas pour ce qu'il y a dedans parce que les gâteaux ils sont pas bons. Je les achète pour les petites poêles. C'est les petites poêles en fonte. J'en ai 5 et j'aimerais agrandir un petit peu ma collection. Justement quand les enfants ils viennent ou quoi, moi je m'en sers pour faire des petits desserts au barbecue ou quoi. Ou quand je fais des brunchs ou quoi, c'est pratique. Donc voilà j'en voudrais bien une dizaine. Là il en restait plus que 3 aussi en magasin. Donc j'en ai pris 3. Mais là c'est à la pâte à spéculoos je pense. Et franchement elles sont bien hein. Alors faites attention parce que c'est de la fonte. Donc c'est de la fonte naturelle. Comme ma truc en fonte, la dernière fois il y en a une de vous qui m'a dit oui mais ça rouille en fait, c'est pas de la bonne qualité. La fonte c'est du fer, ça rouille, il faut la graisser. Une fois que vous la lavez, vous la faites bien sécher, vous prenez un petit chiffon avec de l'huile et vous la graissez. Et là elle va rester nickel. Et franchement moi elles sont nickel, ça fait plus de 2 ans que je les ai et elles sont nickel. À chaque fois qu'il y en a, à chaque fois j'en reprends quelques-unes, mais si vous graissez bien votre fonte, enfin moi je vois ma poêle en fonte, j'adore parce que ça va au four, ça va au barbecue, ça va partout quoi en fait, il n'y a pas de souci. Le seul truc faut faire attention aux manches quand vous le prenez quoi en fait, mais la dernière fois moi j'avais fait des petits cookies avec une boule de glace au dessus au barbecue et franchement c'est, comme je vous ai dit, c'est nickel, mais il faut vraiment bien l'entretenir. Mais la mienne pourtant je l'ai payée beaucoup plus cher, c'est pas une question de qualité en fait hein. C'est juste une question d'entretien après. Je me suis repris les petits aimants parce que je me suis rendu compte que j'en avais plus pour mettre sur le frigo. Il y en a comme quand je mets ma liste de courses ou quoi, j'avais plus d'aimants pour mettre dessus, j'ai pris ceux-là, ils étaient mignons. Voilà, j'ai pris ça, c'est une boule de glace avec un système comme ça. Moi la mienne elle est cassée et je m'en sers surtout, c'est pour faire les pâtes à cookies et tout. Je me suis dit que ça pourrait peut-être aller bien et aller peut-être mieux. Je l'ai payé 2€. Ouais, donc c'est surtout pour les pâtes à cookies, pour faire des cookies. Je me suis acheté un set de couteau, ciseaux, enfin pas couteau mais rasoir, ciseaux, pince à épiler, c'est pour mes sourcils. Je me suis dit que ça pourrait être bien. J'ai pris des petits bijoux. Hop. Alors celui-là je l'aime pas trop parce qu'il y a un truc un peu fluo. Mais celui-là et celui-là je les aime assez. C'est des trucs pour mettre aux chevilles. Voilà. Donc celui-là peut-être que je donnerai à Stécie si elle le veut. Mais celui-là il est tout simple. Un peu torsadé comme ça. Et puis celui-là c'est un truc élastique là. Et dans le même esprit, alors là c'est pour le coup, j'ai vu celui-là. Alors est-ce que vous allez bien voir? Il y en a aussi un truc élastique avec des petites perles. Moi il y a un petit peu emmêlé, mais ça fait des petits palets comme ça. Après, il y en a un. Bah, alors celui-ci c'est peut-être celui que j'aime le moins, mais à voir quoi en fait. Mais voilà, je me suis dit pour l'été. Après, j'ai pris... Ça fait comme du ruban. Alors, est-ce que vous allez... Ouais. Mais c'est comme de la jute, enfin des fils de jute tressés. Et j'avais envie de tester, de me faire des rondes serviettes avec. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais aller voir parce que j'attends un coup de fil de l'hôpital. Pour moi, je vais aller voir qui c'est. L'isolation des combles nous embête avec ça. Ils nous appellent au moins 10 fois par jour. Mais comme l'hôpital doit m'appeler pour mon rendez-vous, voilà. Bref, donc du coup, oui, ça fait de la jute tressée comme ça. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Voilà, on testera ça. Et je me suis pris, alors ça, c'est vraiment, j'espère que, parce que j'en ai acheté 40 000 à chaque fois, c'est des cochonneries. J'espère que celui-là ira. C'est un trépied. Pour mon téléphone portable, je me suis dit que pour faire les vidéos, il y a des moments... Alors, c'est quand même la marque... C'est quoi? Master. Et en fait, il est réglable en hauteur. C'est pour le téléphone. Je me suis dit que ce serait pas mal pour quand je vais vous partager les trucs sur Insta. Il y a des moments quand j'ai pas les... J'ai bien un pied, mais c'est au niveau du bas, quoi, en fait. J'ai pas en hauteur. Et pour filmer au-dessus, je me suis dit que ça pourrait être bien. Je vais tester ça. Alors souvent je filme avec mon appareil photo, hein, ma caméra, mais sur Insta c'est mieux, c'est plus facile de faire directement avec le téléphone. Oui, il a l'air d'être pas mal. On peut tenir comme ça. Et il y a le petit pied là. Et c'est télescopique. Abaisser. Oh, quoique, peut-être que, peut-être que. Et il y a une petite télécommande aussi. Bon, après, c'est pas super haut, hein, mais ça serait suffisant pour le filmer au-dessus, quoi, en fait. Et logiquement, je pense qu'il y avait... Alors, ah oui, je regardais, il y a une télécommande, mais oui, en fait, on peut... Ça se retire, en fait, c'est ici. Il y a une petite télécommande pour pouvoir... Quoique ça peut être pas mal, même pour faire des photos, quoi. Donc voilà, pour les petits achats d'Action. Bon, allez, je vais ranger ça. Je vais prendre un cachet parce que j'ai mal à la tête. Depuis ce matin, je vous ai dit, hein, j'avais mal à la tête lourde et en fait, ça reste. Ça fait pas super mal, hein, j'aurais dû prendre un cachet déjà ce matin. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être trop mal. Franchement, bon, après, c'est pas de la bonne qualité, hein. Pas prendre sa douche avec, quoi. Ouais, dans le spa avec. Je vais me faire un café glacé. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, il vous faut un mousseur à lait. Alors moi, c'est un mousseur qui vient de Lidl. Il va très très bien. Il était en vente justement la semaine dernière. Donc vous pouvez peut-être en choper encore quelques-uns qui restent. Alors il est bien parce qu'il fait mousse fine, mousse plus épaisse. Juste faire chauffer du lait, mettons pour un chocolat chaud ou quoi, et il fait de la mousse froide. Et moi c'est cette fonction là que j'utilise quand je fais mes cafés glacés, comme ça ben le lait est froid, quoi, en fait. Donc je mets, au niveau des quantités c'est un peu au pif, en fait, hein. Encore le téléphone. Ouh, deuxième fois aujourd'hui. Comme je vous dis, d'habitude je réponds pas et j'aurais décroché le téléphone, quoi, en fait. Mais c'est juste que là l'hôpital doit m'appeler pour me donner mon rendez-vous et du coup bah, je réponds à tout le monde alors que d'habitude je réponds pas. Bref, donc du coup on y va. Du lait, alors sachez que le lait écrémé mousse mieux que les autres laits. C'est bizarre, hein, parce qu'on pourrait croire, comme avec la chantilly, que le lait entier pourrait, comme la crème entière monte mieux qu'une crème légère. Et bah là c'est l'inverse. Je sais pas c'est quoi qui fait que, mais ça fonctionne mieux. Donc du coup, comme je vous ai dit, les quantités c'est un peu au pif. Là moi j'ai un truc mini, je mets jusqu'au mini. Enfin entre mini et maxi. Hop. Et du coup pendant qu'il fait ça, je vais faire couler mon expresso. Alors je mets un expresso pour qu'il soit bien corsé. Vous voyez, un truc qui soit... Parce que comme il va être dilué avec des glaçons, il faut quand même quelque chose qui a du corps et qui a du goût. Autrement vous allez avoir un goût de café pas bon quoi en fait. Un café voilà, bien dilué. Un jus de chaussette. Alors vous pouvez mettre des glaçons avant, mais moi comme je mets des sucrètes à l'intérieur. Alors c'est débile hein, parce que je mets des sucrètes et je vais mettre du chocolat qui est plein de sucre à côté. Mais c'est juste que j'ai l'habitude de prendre ça dans mes cafés et du coup quand je mets du sucre normal je trouve que mon café a pas le même goût quoi en fait, donc voilà. Donc et pour que mes sucrètes fondent il faut que ça soit dans du café chaud, autrement ça fond pas. Donc sinon vous mettez directement vos glaçons et vous faites couler votre café. Bah en fait c'est juste pour que le sucre se dilue mieux quoi en fait, enfin, se dissout mieux. Je pense que même avec du sucre en morceaux ça doit mieux se dissoudre dans le café chaud que dans le café froid. Donc ensuite on fait couler un café. Alors moi je vais prendre, alors là il faut que je détarte ma machine, donc du coup je prends un café et moi avec ma machine je peux faire un extra shoot. Alors vous allez me demander c'est quoi comme machine Sandra? C'est une machine, c'est la Philips Lattego. Il y a deux modèles, moi c'est celui d'au-dessus. C'est parce qu'en fait elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, je pense que c'est 14, 10, 11, 12, 13, 14, oui, elle fait même l'eau chaude aussi. Mais il y en a une en dessous qui doit faire 9 sortes, je pense, enfin un truc comme ça. Et moi celle-là, vous avez vu, j'ai plusieurs petits programmes ici que je peux changer et on peut personnaliser notre café. Donc comme là, si mettons je prends expresso, je peux choisir la teneur en voilà, la force du café. Donc là moi comme je vous ai dit, je mets un extra shoot. L'extra shoot en fait c'est, il va remoudre il va me faire couler mon premier café, il va remoudre un café et il va faire un petit jet de café qui est bien corsé et du coup ça me fait un café qui est très corsé. Donc celle là du coup je peux régler ça, je peux régler aussi la quantité. Donc là moi je mets 90 ml et je peux régler aussi si j'en veux un ou deux. Mais par exemple vous voyez, si mettons je vais sur cappuccino, je peux régler aussi la puissance de mon café, je peux régler la quantité de café et je peux régler la quantité de mousse. Donc comme ça on peut chacun avoir notre café qui est personnalisé. Pareil avec le café au lait et tout. Et comme ça quand je vais directement sur mon profil, et ben vous voyez Greg, son profil il est différent, enfin le café il est différent. Donc ça va plus vite pour pouvoir faire votre café, vous n'avez pas à tout reparamétrer. Donc là du coup donc comme je vous ai dit c'est la Philips Lattego, je me souviens plus le modèle, c'est la 5400 je pense si je dis pas de bêtises. Mais elle est top franchement. En fait elle fait, il y a un mousseur ici de lait, alors elle fait que le lait chaud, c'est pour ça que j'utilise mon mousseur de lait qui fait du lait froid, parce que autrement c'est du lait chaud. Elle fait l'eau aussi pour le café. Après ben voilà, il y a plein de sortes de café, il y a café normal, americano, cappuccino, latte, café au lait, café crème, café alors c'est un café, c'est un latte mochachito. Là c'est un café latte, un lait émulsionné si vous voulez que mettons que du lait, une tasse à emporter, c'est pour faire des grands cafés que vous voulez emporter, un café allongé, un... Je savais que je pourrais faire celui-là aussi. Un ristretto, donc c'est un café qui est court. Un flat white. Alors la différence entre le flat white et le cappuccino, je pense que c'est l'inverse en fait. Le cappuccino c'est le lait et après le café. Là je pense que c'est... en fait il y a du lait, il y a du café et après il y a de la mousse de lait. C'est l'expresso et la mousse de lait. Voilà. Alors que le cappuccino c'est l'expresso, le lait et la mousse de lait. Et la mousse dans le fat white elle est plus fine. De l'eau chaude, bon après c'est toute une... Hein, voilà. Donc on y va, on revient à notre café. Donc hop, je fais mon expresso ici. La machine à café, elle fait aussi bien en grain qu'en moulu en fait. Et du coup, quand je fais aussi des lattés, quand je veux les aromatiser différemment, j'aime bien utiliser, c'est des cafés aromatisés. C'est les petits torréfacteurs qui font ça. C'est des cafés avec des saveurs en fait. Donc là j'ai saveur noisette, saveur chocolat, saveur spéculoos. Enfin voilà, il y a plein de saveurs. J'ai vanille, praliné, tiramisu, crème brûlée et caramel et noix. Donc vous pouvez aussi utiliser ce genre de café aussi si vous voulez des cafés aromatisés, parce qu'autrement vous pouvez mettre aussi, c'est du sirop ou, je vais vous montrer, hein, du sirop ou du coulis aussi. Donc, une fois que mon café est plein, enfin est rempli et est coulé, ça ira mieux, tu vas y arriver Sandra. Vous mettez des glaçons, donc à peu près, moi je mets de la glace pilée à peu près à ce niveau ici, à la moitié quoi en fait. C'est pour bien refroidir le café. Et on vient bien mélanger, ça va refroidir le café. Et ensuite on va rajouter, donc soit si vous utilisez des sirops, alors moi j'utilise des sirops de la marque Mona. Faut même que j'en rachète. Donc il y a vanille, vous pouvez avoir, alors là c'est des sans sucre, mais il y a des normales aussi, hein. Noisettes, j'ai caramel aussi, il en existe un petit peu partout, on les trouve sur les sites, autrement si vous préférez les acheter en magasin, je sais que Zodio, moi c'est là où je les achète, il y a plein de sortes quoi en fait. Donc là moi c'est pas ce que je vais mettre parce que je vais utiliser un coulis de chocolat noisette, alors ceux-là c'est la marque Colac. Je les achète au grossiste en Belgique, à côté de Famiflora. C'est Rano, je pense que ça s'appelle. C'est une grosse étiquette rouge, une grosse enseigne rouge. Et je vais venir du coup mettre tout autour en fait de mon... Alors, je vais essayer en vous montrant. Voilà. Hop, vous voyez, je tourne autour. J'en mets à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe à peu près. Enfin une grosse cuillère à soupe on va dire. Voilà. Et après il n'y a plus qu'à faire couler votre café, votre lait froid moussé. Donc c'est vraiment très simple et après vous l'aromatisez en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous avez envie. Donc hop. Donc là je viens... Alors là pour l'instant on a le lait et après il y a la mousse qui arrive, vous allez voir ça fait limite de la chantilly quoi en fait. Il va vraiment très bien ce mousseur de lait. Pourtant c'est du lait froid hein. Non, voilà ce que ça donne. Donc après faut mélanger un petit coup et puis déguster. Mais je vous ai dit hein, c'est super simple hein. Activité manuelle. Enfin, j'adore faire ça et je prends pas le temps d'en faire. Donc du coup, je me suis dit que voilà. Hop, on va essayer de faire des petits ronds de serviettes. En fait, je trouve pas ce que j'ai envie en magasin et c'est dur de trouver en fait des petits ronds de serviettes maintenant. Souvent, on met des serviettes en papier en fait. Hein. Mais j'avais eu des belles serviettes en lin sur AliExpress et franchement elles sont vraiment belles et j'aimerais bien aussi c'est en acheter d'autres et faire un petit signet ici pour que les personnaliser un petit peu et à chaque fois je voudrais un rond, oui, pour mettre dessus mais je trouve pas ce que je veux. Donc là j'avais trouvé, comme je vous ai montré hein, ce matin, c'est et du coup je me dis que je pourrais faire un petit rond de serviettes avec, je pense que je vais le, alors je vais vous baisser, je vais le tourner. Alors j'ai pris autre chose aussi, je vais essayer aussi. Alors au début je me suis dit peut-être comme ça, faire un rond et puis venir mettre ça. Mais j'ai l'impression que ça va pas ressortir assez. Donc après j'ai mis ça, j'ai ça, mais je vais voir après. Je vais déjà faire les tout simples comme ça et là je pense que je vais juste les doubler. Pour que ça soit un peu plus rigide. Je pourrais peut-être mettre un fil de fer aussi au milieu. Mais je pense que juste avec la colle et juste ça, je pense que ça serait bon. Et en fait, ça fait juste un petit rond de serviette et je pense que ça pourrait faire joli. Ouais. Je vais faire ça déjà. Je vais en faire quelques-uns comme ça. Je vais regarder combien il faut de mesure. Je vais les couper et après on verra pour les autres. Hops. Je pense que là ça serait la bonne dimension. C'est peut-être même un petit peu grand, quoique. Ouais, je fais ça et je vous montre. Ouais, est-ce que ça donne... Alors là, j'en ai mis deux. J'aime bien aussi avec deux. Un, deux. Donc je sais pas. Alors je sais pas si je... Soit je les fixe ensemble ou soit je les mettrai comme ça. Tu sais, j'ai toujours la possibilité de les mettre par un s'il faut. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi par deux. Ouais. Ça fait joli, hein? Ouais. Je me suis brûlée le bout de doigt et là je suis en panne et j'ai plus de stick et pas moyen de savoir où est-ce que je les ai mis. J'en ai fait 8, donc du coup si je les mets par 2 ça en fait 4. Donc ouais, je vais attendre que Greg rentre, il devrait plus tarder, et puis je vais continuer. Je vais lui demander si on en a encore. Il m'a retrouvé des bâtons de colle, je vais pouvoir m'y remettre. Ça brûle, n'empêche. En fait, j'étale un peu la colle, vous voyez, quand... et puis le bout, c'est tressé. Et du coup, si on met pas un peu de colle au bout, ça se détresse. Vous voyez le petit bout de... Ici, là, quand je coupe, en fait, le tressage, c'est juste ces 6 fils. Et du coup, ben, les fils, ils s'en vont. Donc, faut mettre un peu de colle. Et puis, pour éviter d'avoir une grosse truc, faut appuyer. Mais du coup, c'est chauffe. En train de boire son petit café. J'avais sorti tout mon bordel de déco. En fait, j'ai dans mes caisses, c'est des poufs. Il y en a un où il n'y a que mes trucs comme ça. En fait, dès que je vois des choses qui sont dans mes couleurs et que j'aime bien, ben, je prends. Et après, comme je vous ai dit, je fais mes tables en fonction de ça avec ce que j'ai. Et puis... J'avais oublié de sortir ma viande hier. Du coup, je l'ai sortie, je l'ai mise sur... faut que je range les pâtes à Marlée. Sur ma plaque. Ça fonctionne bien, n'empêche. J'étais étonnée. Mais franchement, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas ce que c'est comme matière ou quoi. Mais ça fonctionne bien. Ça se décongèle vite, en fait, dessus. Je sais pas c'est quoi. Parce qu'on dirait une plaque de métal, en fait. C'est bizarre que ça décongèle comme ça, quoi, en fait. Bon, allez. Continuez ça. J'aimerais encore en faire quelques-uns. Je vais essayer de vous montrer comment je fais si vous voulez le reproduire. Alors déjà là je viens de couper, donc je vais mettre un petit peu de colle, juste un tout petit peu, c'est pour éviter que ça s'effiloche, vous voyez, parce que autrement c'est, comme j'ai dit, c'est des petits brins et du coup ben, tout il s'en va ensemble. Donc j'attends un petit peu que ça refroidisse pour pas me brûler et ensuite je viens, voilà, fixer. J'ai un petit peu trop attendu pour éviter que ça s'enlève et ensuite je fais deux tours pour que ça soit plus rigide. Alors on aurait pu aussi, comme je vous ai dit, les fixer ensemble, mettre tous des petits points de colle, mais je me dis je vais les laisser comme ça quand j'ai beaucoup de monde et que je peux en mettre que un, et ben j'en mettrai que un, ça me fait une plus grosse quantité. Puis en fonction des tables aussi que je vais faire ou quoi, il y aura peut-être voilà. Ça me permet d'en mettre 2 ou 1 en fonction d'eux. Donc là du coup, alors j'ai pris un petit, pour avoir en gabarit, un petit gobelet en plastique, là, une petite verrine. Voilà. Hop. Je mets de la colle. Alors là c'est l'avantage d'avoir des ongles, parce qu'au moins vous vous brûlez pas, c'est les ongles qui morphent, mais c'est pas grave. Donc là, hop, je viens tout de suite l'enlever et je viens appuyer, ça refroidit, donc ça va, c'est plus chaud. Mais avant que ça soit solide, quoi, en fait, c'est juste tiède là. Donc au besoin, je rajoute un petit peu de colle là pour éviter, comme je vous ai dit, que ça s'effiloche. un petit peu. Et là du coup je refais un petit tour, je viens fixer à peu près au milieu. Alors déjà je vais couper hop, pour que ça rejoigne l'autre partie en fait. Je coupe, hop. Je vais venir mettre de la colle à peu près au milieu pour fixer au milieu aussi. Hop là. Je viens mettre hop dessus. J'appuie, faites attention c'est chaud. Et ensuite je fixe ici à la fin. Et là c'est pareil, pour éviter, vous voyez que ça s'en va, je viens mettre un peu de colle pour fixer tous les brins ensemble. Et voilà. Et voilà, un petit rond. J'ai su en faire 10 doubles, donc 20 en tout, avec le rouleau. 10 doubles et puis 20 à l'unité. Voilà. Il me restait juste un tout petit bout. J'ai fait un petit truc pour mettre sur la boîte de gourmandise à Marlée. Alors c'est moi qui l'avais fait, la petite boîte avec mon appareil. Vous voyez ma découpeuse, ma silhouette, pour attraper plus facilement. En fait c'est des boîtes de café que j'ai récupérées d'Action, de Lidl. Je les ai bombées. C'était des boîtes en métal avec du café en grain à l'intérieur. C'est avec ça aussi que j'ai fait mes boîtes, vous voyez, café, sucre, etc. qui est sur mon bar à café, oui. Et là du coup j'avais marqué avec son petit nom et je me suis amusée pour, pour le Marlée, hop, pour Bouvier. Et puis du coup moi j'ai rajouté un petit peu comme ça, hop, ça va tout seul pour attraper. Alors j'ai une autre idée pour en faire des autres quand j'ai envie de changer. Mais là j'ai mes doigts, ils sont trop morflés. Donc je vais attendre, je vais les laisser guérir un petit peu et puis je ferai ça une prochaine fois. Mais ouais, je pense avec de la jute, je vais voir. Hop, voilà. Allez, je vais ranger ça, nettoyer la colle qui a coulé sur mon plateau, finir mon café glacé. Là Greg est reparti chercher Stécie et après je pense qu'on va aller faire un petit tour dans le spa, on va aller se prélasser un petit peu. On est sorti du spa. Il y a un petit vent, enfin il y a du vent. Là il a l'air de se calmer mais il y a du vent et il est froid quand même. Donc tant qu'on est dans le spa ça va, mais quand on sort, glagla. J'ai fait mes petites brochettes pour ce soir. Donc c'est des hautes cuisses de poulet. Je les ai coupées en 4. Un filet d'huile d'olive, des épices à paella, du chorizo à cuire. Alors la dernière fois il y en a une de vous qui m'a dit ton chorizo il a l'air d'être tendre, où est-ce que tu l'as trouvé? En fait c'est pas du chorizo qu'on trouve dans le rayon saucisson, vous voyez, sec. C'est du chorizo qu'on trouve dans les rayons saucisses. C'est du chorizo à cuire. Donc c'est tout mou, tout tendre en fait. C'est comme une à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer là. Je vais le cacher pour que... Voilà. Vous voyez, ça fait comme une saucisse épicée au goût chorizo. Donc on en trouve assez facilement, surtout dans cette saison-là où c'est tout ce qui est barbecue et tout. Là, je les avais trouvés à Lidl. On en trouve au rayon saucisse souvent. Donc chorizo à cuire, oignon, poivron. Voilà, petite... connotation espagnole. Et là je suis en train de préparer, je vais faire des tomates à la provençale en accompagnement, et les pommes de terre j'ai fait cuire. Alors j'allais faire du riz mais comme on mange déjà du riz demain, je me suis dit j'allais plutôt faire des pommes de terre. Il me restait des petites pommes de terre dans le frigo que je voulais pas perdre, que j'avais fait cuire à l'eau. Donc du coup comme j'en avais pas assez pour nous 4, j'en ai refait cuire un tout petit peu donc à l'eau. Je vais les couper et je vais les faire sauter à la poêle. Et là du coup, pommes de terre à la provençale, j'ai pris un petit robot, vous voyez, style 1, 2, 3, j'en ai racheté un à Lidl la dernière fois en Belgique, mais je pense qu'il devait l'avoir en France aussi. celui-ci. Ah, c'est pratique quand on veut pas hacher grand chose. Donc là du coup j'ai haché échalote, il me restait un petit bout d'oignon de mes brochettes, je l'ai mis dedans, et du persil et du basilic, sel, poivre. Alors les tomates en fait, et les tomates je les ai juste coupées en deux, sel, poivre. Alors je suppose que vous connaissez hein, cette recette, elle est assez connue. Du sel, de poivre, un filet d'huile d'olive et puis les petites herbes au dessus et voilà. Alors on les a mis dans un petit panier qui va au barbecue, comme ça on peut juste le poser parce que c'est assez délicat quand on doit les retourner. Les tomates ramollissent un tout petit peu. Ah, et les épices, c'est ça que j'ai mis. La même marque que je prends d'habitude. Alors c'est une petite boîte cette fois-ci. Mais je pense qu'ils doivent faire des grandes boîtes. Comme je vous ai dit, ça c'est à Leclerc, mais il n'y a vraiment pas grand-chose dans mon Leclerc en fait. En épices comme ça, il y a beaucoup plus de choix à Auchan. Donc voilà. Donc le mélange au-dessus c'est ail, échalote, oignon, j'ai mis du persil et j'ai mis aussi un petit peu de basilic qu'on hache tout simplement avec le petit robot. Greg est en train de regarder pour trouver la fuite. Je vous avais dit un clown nous avait sûrement percé notre... En fait c'est ce qui permet, c'est ce qui se met au-dessus du spa. Déjà ça conserve la chaleur du spa, ça fait comme les trucs de bulles là. Et puis ça évite aussi d'avoir une bâche, oui, quand, enfin une cuvette qui se forme quand il pleut. Et là en fait il se dégonflait. Et là Greg vient de trouver le trou. En fait les spas c'est bien mais c'est gonflable, donc quand les chats, et Luna elle aime bien aller là-dessus parce que c'est chaud. Et voilà, un chat ça a des griffes. Et quand ça fait, elle croit qu'elle va tomber, elle s'agrippe. Allez, je vais faire mes pommes de terre. Donc les brochettes, pommes de terre et les petites tomates provençales. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. J'ai préparé mon pain aussi pour demain. Je me suis occupée aussi du pâté aussi. On a tout mis, on a coupé, on a mis sous vide. Comme ça, il va conserver facilement jusqu'à la semaine prochaine, voire plus. Et je pense que Greg a réparé aussi la petite fuite. Hein, c'est ça, chérie ? Voilà. Alors, je vous avais montré hein, le truc qu'on utilisait là pour la rustine. C'est un truc qu'on a acheté dans un magasin de piscine là. Ça fait du plastique en fait, et il vient de le coller. Voilà. Il est pas là. Je vais chercher de partout, il est là-bas. Bah, c'est rare que tu ranges les choses. D'habitude tu laisses traîner. Oh pauvre chérie. Ah, c'est ça, c'est du vinyle. Ça fait comme du plastique en fait, et il y a un produit à mettre dessus et de la colle. Dedans, et ce qui est bien, c'est qu'il y a des fines. Pour dégraisser, c'est ça? Non, en fait il y a. Les deux, il y a le vinyle comme on t'a vu, ouais. Et après il y a ça. C'est des rustines autocollantes. Ah oui, donc tu peux faire, ah ouais, ok. Donc il y a des rustines comme les, et puis après il y a du vinyle comme ça en fait aussi à mettre, et il y a la colle aussi. Il y a la colle, il y a un bâtonnet pour... Ouais, peut-être pour frotter tout autour. Ouais. Et il fonctionne aussi sur l'eau et tout, donc c'est pratique quand on a un petit trou à la piscine. Et ça mince. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.